Santo Yosefu, Sala na biso. Kiyomu bateli wa famia na biso. Sala na biso. Tala nosambo na biso. Sala na biso. Tala pena wa imaso wa kubota di kota na biso alelo. Sala na biso baso. Tate bino bangoko wa biso. Sala na biso. Bino kutala ki zambe. Sala na biso. Tala nosambo na biso. Sala na biso. Tala pena wa imaso wa kubota di kota na biso alelo. Sala na biso baso. Thank you.
et leurs biens pourront partager le prix
entre tous selon les besoins de chacun. Chaque jour, d'un seul cœur, ils allaient fidèlement au temple. Ils rompaient le pain dans leur maison. Ils prenaient leur repas avec allégresse et simplicité. Ils louaient Dieu et trouvaient un bon accueil auprès de tous les peuples. Tous les jours, le Seigneur faisait entrer dans la communauté ceux qui étaient appelés au salut. Parole du Seigneur. Deuxième lecture. Lecture de la première lettre de Saint Pierre apôtre. Nous allons lire au premier chapitre 5, verset 3 à 9. Béni soit Dieu, le Père de Jésus-Christ, notre Seigneur, dans sa grande miséricorde, qui nous a fait renaître grâce à la résurrection de Jésus-Christ. Pour une vie, pour une vivante espérance. Pour l'héritage qui ne connaîtra ni destruction, ni souillure, ni vieillissement. Cet héritage vous est réservé dans les cieux, à vous que la puissance de Dieu garde la foi. En vue du salut qui est prêt à se manifester à la fin du temps. Vous en tressaillez du choix, même s'il faut que vous soyez attristés, pour un peu de temps encore, par toutes sortes de preuves, elles vérifieront la qualité de votre foi, qui est bien plus précieuse que l'or converti par le feu. Tout cela doit donner à Dieu louange, gloire et honneur. Quand se révélera Jésus-Christ, lui que vous aimez sans l'avoir vu, en qui vous croyez sans le voir encore, et vous tressaillez d'une joie inexprimable qui vous transfigure, car vous allez obtenir votre salut qui est l'aboutissement de votre foi. Frères et sœurs, c'est là la parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Thank you.
Oh, yeah.
de Zalie. Et nous
Thank you.
Thank you.
Thank you.